Coucou les amis, c'est Reizan, et bienvenue avec moi pour un tout nouvel épisode de Yonder. Donc, on va éviter ce coin, rapidos, et après on va aller voir la ferme. Corniche poisée. Oh goodness. Ça a l'air un peu peuplé. Tu dis quoi toi? Donc comme d'habitude les amis, petit soutien, maximum de likes, puis nous on est parti. Et n'hésitez pas à commenter si vous aimez bien la série et tout, me dire ce que vous en pensez. Si vous en voulez plus, à vous de voir. Donc, je crois que je peux devenir comique, what? J'arrive à faire sourire et rire les gens juste en parlant. C'est vraiment chouette. Mais ce qui me manque, c'est la blague. What? Celle qui fera rire tout le monde. Mon chef-d'œuvre, mon magnum opus. Ouais, flûte, je sais que je ne la trouverai pas ici, en discutant avec vous. Oh, mais ne le prenez pas mal. Il faut que je voyage pour trouver ma bague épine. A plus. Ah, il fait tout noir d'un coup, là. Je parlais à la fille et tout, et je sais pas. J'ai presque peur. Oh, bouquin. Vas-y, vas-y. Non. Ah, je crois que c'était pour lire et tout. Je pensais apprendre plein de choses et tout. Mais nope. Ça, je pense pas. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu d'endroit où je peux rentrer. C'est le seul petit truc qui me manque pour l'instant, mais... Peut-être que plus tard sera rajouté, je sais pas. Parce que normalement, le jeu, il est pas fini du tout. Non, c'est sûr même. Donc quoi, on peut supposer ça? What? Attends. Oui! Oh, mais les amis, ça y est, on a trouvé un chat encore. Tchoup! Elle est tout content. J'aime bien les ronds. Mamie? Voici un conseil. L'Agdor s'intéresse beaucoup à la... liquide. What? Peut-être qu'elle veut dire que... C'est une astuce de commerce. Fou, c'est quoi ce machin? Alors la soie à 4, peut-être que c'est moins cher. Je peux acheter un imperméable. Je peux te vendre quoi honnêtement? C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me fasse des sous les amis, non? Je suis encore un peu fauché. Je pourrais vendre ça. Ouais, pas tout de suite peut-être. Tiens, il y a de l'eau, je sais pas comment ils ont fait pour avoir. Peut-être que je peux me faire des bocaux. Ce serait bien si on pouvait dormir ici. Et il paraît qu'à Bobintoff, tout le monde a envie d'acheter des articles et des accessoires. Bobintoff. Ok. Regarde juste là. Je confirme, on peut pas péter le truc, c'est normal. Parce qu'on est en ville, ils vont pas être contents. Bizarre ce truc. Bon bah les amis, on va sortir d'ici. Et on va direction la ferme. Ça fait une petite trotte. On va quand même passer par là. Toup. Ah bon, on a trouvé une quête. Coucou toi. Arf, pour la centième fois. Je ne suis pas boulangère. Tic tac. Ruby, tic tac. Peut-être qu'elle peut m'apprendre des choses, ça. Hey, vous êtes toujours là. Soit vous êtes allergique au gluten, je suis le gluten. Soit vous cherchez Ruby, tic tac. Chef de la guilde des horlogers. Mais oui, tic-tac, c'est votre jour de chance. Vous l'avez trouvé. Commencez la quête. Ouais, vas-y. Alors, tout le monde ne comprend pas le mécanisme des objets, ni comment les réparer, tic-tac. Et nous n'acceptons surtout pas les boulangers dans la guilde des horlogers, tic-tac. N'êtes pas avec eux, n'est-ce pas? En tout cas, vous ne sentez pas le pain, tic-tac. Si on peut être boulanger quand même, je suis intéressé.
Voici les formules du kit d'horloger et du rouage. Quelques ingrédients pour commencer. Oh. Attendez, les crafts, c'était où? Comme ça. Je regarde. Alors, kit horloger facile. Ah, à maintenir les trucs. Ou pas, là. Bon, on va essayer de se faire ça. Un kit. Un rouage. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est fait. Ouf. Ça avait fait un rouage. Gardez le tic-tac. Faut être maintenant partie de notre guild. Et reste à distance des boulangers, tic-tac. Dans le village se trouvent 5 boîtes de rouages jaunes. L'une d'elles doit avoir un problème. Vas-y, vas-y. Village. Ou sinon, les amis, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va... Comme j'ai dit, on va aller à la ferme. Je suis intéressé par ces quêtes de guildes et tout. J'ai envie d'en savoir plus, mais... J'ai une petite ferme qui m'attend, moi. Ça fait un moment que j'ai mis ça de côté. Ça, c'est pratique, en fait. Du coup, je peux pas me faire quick en tombant. C'est bien. Je vous laisse admirer un peu le ciel. Oh oui. Oh mais oui. Voilà. Il m'attendait, je sais pas. On va aller voir ce truc. Il y a un coffre. Oh, il en faut que deux en plus, vas-y. Nos soucis. Et je confirme. Faut juste avoir le maximum de trucs, ça dépense rien et y a pas de soucis. En gros, je peux ouvrir autant d'obscurité que je veux. Ou plutôt le détruire. Ça dépensera pas mes esprits, il reste avec moi. Ce qui me paraît normal en fait. Mais on sait jamais. Voilà. Oh, nice. Beau jump. Ah bah on est dans le village là. Tranquille. Je fais le plein de lianes. Le gros, il veut pas me parler encore. Il monte encore ses fesses. Bien fou. On n'est pas très loin. J'espère que c'est le bon chemin. Pas sûr là. J'ai l'impression que je reviens totalement, ouais. Je vais checker un truc ou deux. Ça. Non, y a rien.
Ok. Peut-être ici, sinon, au cas où, si jamais. Ah ah. C'est quoi ce Vince? Prouvez votre ingéniosité. What? La capacité à créer et à apprendre contribue à modeler l'avenir. Peut-être qu'il faut que j'apprenne plus de craft, ou peut-être qu'il y a un truc à débloquer ici. C'est pas pas de clochette là. Très très louche. Mais bon, on regardera plus tard. Je veux juste remonter. Ouf, sauvé. Donc les amis, c'était pas par ici. Je casse ça quand même. On reviendra une autre fois. Et peut-être un chat dans le coin, malheureusement. Je sais pas si je peux le débloquer encore. Ça s'en reviendra, c'est sûr. Oh, bah c'était par là en fait. Ok. Je crois que c'était ici que j'avais poussé l'autre là, le gros. Oh. Parfait. Et l'obscurité, c'est ça. Y a pas de souci, je m'en occupe si je peux. On peut. Ça a l'air d'être plutôt une ruine. Ah non. Si. Je sais pas en fait. C'est pas exactement là, apparemment. Non, livret Buchel. C'est pas la bonne quête. Vas-y. Oh bonjour, je m'appelle Buchel Mini. Non, je m'appelle Buchel. Mini m'envoie vous aider. Les réparations, c'est mon affaire. Je m'y connais un peu en exploitation agricole. Est-ce qu'il te faut des ressources? Maintenant que vous avez fait disparaître les obscurités, remontons-nous les manches et remettons l'endroit d'aplomb. Quête réussie? Sérieux? Comme ça? Oh! Trophée obtenu, la ferme. Ah! Vas-y. Félicitations, Ray. Tu as ta propre ferme. Tu peux maintenant faire beaucoup de choses dans une ferme. Commençons par construire et placer un enclos de gros animaux. Oh! Tu peux le construire, l'enclos animal, menu artisanal et tout ça. Utiliser le grand livre? Ok, on va tester ça. What the fuck? Coffre objet. Alors là, il me donne plein d'items. Et il y a un esprit qui m'attend, les amis. C'est sûr, là. Ah, zut. J'ai tout arrangé parfaitement. Et vous avez tout gâché. Grommel. Sale bête. Ah. Bon, plus question de retourner dans cette porcherie. Allez, en route, la jeunesse. Ah, enfoiré. Il a fait cette ruine comme ça et tout. En gros, il faisait sa vie là, quoi. Finalement, obscurité ou pas, ça a pas l'air de le déranger, ce truc. Wow, stockage. C'est chez nous, ça. C'est dommage qu'on puisse pas encore dormir ici, mais peut-être qu'il y a moyen. J'aimerais bien. Alors, voyons voir. Craft. Toc, toc, toc.
En passant, si vous avez le jeu et que vous cherchez la ferme, c'est super simple. Une fois que vous avez la quête, bah vous cherchez la quête là-dedans. Réparer la ferme, normalement c'était en haut. Maintenant c'est ici. Et vous mettez un marqueur dessus. Et après vous suivez le marqueur, tout simplement. Je dis ça au cas où pour ceux qui commencent le jeu qui sauraient pas en fait. Chop. Alors Lamington, ça a l'air d'être une bonne recette côté sous-sous peut-être. Mais compliqué pour l'instant. Je dirais que c'est une recette plutôt avancée. Ouais, je suis pas si simple en fait, quand on a pas le matos. Tout lolo. Attendez les amis. Il te ferme. Enclos gros animaux. Je suis pas sûr d'avoir vu où c'était là. Ça c'est craft, voyage. Je vois pas le truc d'enclos. J'aurais dit dans charpentier ou dans bâtisseur. Oh. Tout acheté. Un same love, c'est cool. Il y aura un livre dans le coin, peut-être? Totalement. Et là... Je peux construire ce que j'ai envie en fait sur ce terrain là. On va essayer un enclos ici. On va aller là. Oh. Ah ouais quand même. Je vais te mettre là finalement. Pivoter. Placer. Un enclos petit animal. Ça, ça pourrait être gros animaux petits aussi. Je pense que je peux déplacer de toute façon. Ouais, je peux déplacer et tout, il n'y a pas de souci. Construire. Abreuvoir. Je vais en mettre là. Peut-être ça le bon sens. Je vais même les espacer un peu. Ah bah on voit mieux déjà. Avec la journée. Ça en dirait de la bouffe. Je vais en mettre un là. Là. Et voilà les amis, on va regarder un peu ça. Ça, c'est pour bouffer, clair et net. Ça, ce serait une première maison animale. Je sais pas ce qu'on aura ici.
Ça sera pour les gros. Et là, c'est pour boire. Oh. Ça, c'est dommage. C'est pas grave. On peut pas encore aller dessus. Enfin, on peut aller dessus, mais... pas faire plouf. Juste un petit détail, mais... Ça va sûrement corriger plus tard. Bravo. Maintenant que vous disposez d'un enclos de gros animaux, vous pouvez commencer à adopter de gros animaux. Quand vous serez prêt, revenez me voir et je vous apprendrai à faire ça. Bon, bah vas-y, je suis prêt. Ah, quoique. Les amis, on va se laisser là pour l'instant. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite construction de la ferme. Et prochain épisode, on va voir ce qu'il a à nous dire ce type. En espérant qu'on puisse ramener des animaux là. J'aimerais bien. Donc comme d'habitude, pensez à mettre un maximum de likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Playlist en description si jamais pour les prochains épisodes. Puis moi je vous dis à bientôt, à plus, ciao ciao les amis, bye bye. Ciao.